sommes donc dans le windsurf avec Nito, son propriétaire à La Palmyre. Pouvez-vous nous parler un peu de votre métier, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un surf de marque Crown Amusement, de 1990. Il fait 20 mètres par 6 avec la caisse. Et voilà. Et il faut combien de temps pour le monter et à combien de personnes? Alors à deux pour le monter, il faut 1h15, 1h30. Et pour le démontage? 3/4 d'heure, 1h. Et les principales étapes du montage, c'est quoi? Le calage et le dépliage. Alors après, au niveau de l'éclairage, il éclaire en quoi? Tout en LED, le windsurf? Non, là je viens de mettre des projecteurs à LED pour faire changer de couleur la façade, et sinon le tour c'est un tour basique en cabochon. Est-ce qu'il va y avoir des modifications sur l'éclairage par la suite? Possible, là on a déjà fait une nouvelle nacelle avec de la LED dessus, les nouveaux projecteurs. Et ça fait combien de temps que vous l'avez, le windsurf? Alors moi je l'ai repris à mes parents il y a 2 ans, et dans la famille il est là depuis 17 ans. D'accord, et avant vous aviez un autre manège? Alors avant on avait eu la chenille, et là maintenant moi j'ai le surf, mon père il a un booster fabrique et une balance bar. D'accord. Au niveau de la sonorisation, le windsurf est équipé avec quelle marque? Boujon. D'accord. Combien de satellites, combien de caissons? 2 caissons et 2 satellites. D'accord. Au niveau de la consommation de windsurf en ampérage, il consomme beaucoup? Il fait des pointes à 200 ampères. Ah oui, quand même. Et ici à La Palmyre, c'est surtout un public familial ou il y a un peu tout dans windsurf? Un peu tout. La jeunesse, la famille, ça dépend des heures, ça dépend des vagues de foule qui arrivent. Et au niveau de votre tournée, alors, vous allez où? Alors un peu, on commence un peu dans la région parisienne, on fait quelques fêtes dans le nord et dans le Pas-de-Calais. Et sinon, juillet, août, d'habitude, je suis dans Vaucluse. Tous des fêtes d'un week-end autour d'Avignon. Du coup, vous n'avez habituellement pas à La Palmyre, donc ça vous arrive de faire des zones bleues alors? Quelques fois j'ai des zones bleues, mais comme j'ai une tournée assez complète, c'est rare que j'ai des zones bleues. Vous avez une page Facebook du windsurf? Non, mais on a une page Facebook Adjaoun Industrie. C'est là où on voit tous les manèges à moi et à mes parents. D'accord. Ah oui, d'accord, pas de souci. Et est-ce que vous consultez des sites forains comme Turbo Kermis ou PowerMax qui existait avant ou... Un petit peu, mais pas tellement. D'accord. Alors comment vous trouvez le Luna Park de La Palmyre du coup maintenant, vu que ça fait maintenant un bon mois que ça a commencé? C'est pas mal, ça change. D'habitude on court toutes les semaines, on monte, on démonte, et là bon ben c'est... Il y a un peu du travail et un peu les vacances en même temps. Et du coup bon, pas forcément que le Luna Park, mais pour les fêtes en elles-mêmes, quand vous êtes sur une fête, est-ce que vous avez le temps parfois de visiter la ville aussi? Ça dépend des moments, parce que comme là dans le Vaucluse on arrive généralement le mercredi, parce que ça va jusqu'au mardi, on roule le vendredi. D'accord. Des fois on a juste 2 jours pour s'installer. Des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps. Et au niveau de cette fameuse nacelle là, tout ce qui a été changé, ça s'est passé comment alors concrètement? J'ai été voir un constructeur, on s'est mis d'accord sur tout ce que je voulais, c'est une nacelle, elle est complètement neuve. Et puis voilà, j'ai commandé, je me l'ai fait livrer chez moi et puis après on l'a tout installé. D'accord, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et bonne soirée. Merci.